pas. Je ne pense pas si Fortuna aurait juste fait que c'est lui qui devait gagner le match. J'ai gagné le match parce que j'ai joué. Et il faut dire la vérité, c'était vraiment un match équilibré. Et Fortuna, malgré sa jeunesse, laissait parler aussi, laissait faire. Donc tout nous laisse croire que ce championnat, il est vraiment rude. C'est un combat qui est ouvert. Donc je pense que nous autres, aujourd'hui, ça nous donne un peu de morale pour la suite de la compétition, parce que là il faut encore aller chercher les points ailleurs. Donc disons que bravo aux deux équipes, parce qu'ils n'ont pas démérité. Coach, mercredi c'est le derby départemental face à UMS Ouloum. Dans quel état d'esprit allez-vous? Non, nous autres nous n'avons peur de personne et nous ne négligeons aussi personne. Nous venons jouer contre des adversaires sécurisés et à l'issue du match, on verra qui aura gagné et qui aura perdu. C'était pas notre jour, comme vous avez dit. Vous voyez, il y a eu un nombre incalculable de ballons qu'on n'a pas pu mettre au fond. Donc nous avons eu de malchance. Alors avec quel esprit repartir ici? La prochaine journée n'est pas aussi un match facile si on s'en tient, n'est-ce pas, personne de votre adversaire? Aucun match n'est même facile. Nous avons commencé un championnat, il faudrait seulement qu'on perde nos marques et puis qu'à la prochaine journée, que nous soyons victorieux, que nous empochons les trois. Un mot sur votre adversaire du jour, Sterna. Bon, ils ont joué, c'est pas une équipe à négliger, c'est une équipe efficace. Bon, mais le sort n'a pas été avec nous.